parce qu'il y a une tradition de générosité dans le département des Yvelines, en particulier ici dans notre capitale, hein, le départemental, Versailles, et que le drame des populations ukrainiennes, à proximité, c'est presque à nos frontières, nous incite naturellement très fortement à, comme on dit, faire quelque chose. Et ce concert, ce soir, est une des nombreuses actions que, à l'initiative du département et avec le relais des communes, nous avons mis en œuvre, et grâce à la présidente Bégard, qui une fois de plus aura été d'une efficacité, d'une disponibilité exceptionnelle. Manifestement, les besoins sont immenses, la guerre ne s'arrête pas, elle a l'air de rentrer même dans une phase nouvelle, donc après avoir envoyé, puisqu'on a pu envoyer 16 semi-remorques sont partis à la frontière polonaise, après avoir accueilli, produit encore un nouvel accueil, et on est de ceux qui accueillent. J'étais moi-même avant-hier dans paroisse, la paroisse de Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, où vont être accueillies 5 familles ukrainiennes. Donc toutes ces activités vont se poursuivre. On ne sait pas encore sous quelle forme, parce qu'on essaye de s'adapter à cette situation tragique, de s'adapter du mieux que l'on peut, et surtout de ce qui est le mieux pour ceux que nous accueillons. Pour l'instant, on n'est pas submergé, mais il y a plusieurs centaines de réfugiés qui sont sans doute déjà arrivés. Pourquoi vous dis-je sans doute? Parce qu'il y a aussi des initiatives individuelles et elles sont régularisées après sur une plateforme mise à disposition par la préfecture, parce que naturellement il faut que ces personnes puissent avoir une existence légale, un statut de réfugié et une protection, en particulier une protection médicale qui est liée à ce statut de réfugié. Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il existe un autre guide en ukrainien au château de Versailles. Et que pour les Ukrainiens qui vont se retrouver ici, qui parfois auront besoin évidemment de voir autre chose, et bien qu'ils viennent au château de Versailles, ils pourront découvrir avec cet objet en ukrainien qui a été fait pour eux. Superbe.